Message de Rika Blanco de la Plateau. Je ne rigole pas. C'est le frère. Il s'insurge que Messi ne soit pas dans la liste des 30. Ah, L'Argentin a gagné la Copa América. Est-ce une erreur? Oui. Il a porté quand même l'Argentine jusqu'à la finale de la Copa América. Mais il n'a pas marché sur la Copa América. Oui, mais il a remporté. Il a remporté. Ah oui, mais alors toi. Pas marché, alors, Messi. C'est marrant parce que ce qui vaut, vaut pas pour Messi, qui vaut pas pour Vinicius, vaut pour. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que ça. Hein? C'est-à-dire que là, tu ne peux pas faire, quand même, passer à côté de 10 mois de compétition dans un championnat dont tout le monde se moque un petit peu et faire Quoi? La MLS, moi, je ne vois pas trop de match, je ne sais pas toi, Karinette. C'est un championnat magnifique. Voilà. Donc, tu as 10 mois où il ne se passe rien et effectivement, 3 semaines de compétition majeure où tu portes un peu ton équipe. Je pense que ça, pour le coup, pour la rétine, ça ne suffira pas. Imaginons 29 noms plus Messi. Paf, dans les 30. Un scandale. Messi, non. Pas ça. Messi, il a gagné 8 fois. Mmh. Est-ce que finalement, dans le collège des votants, là, ils sont 100 plus ça. Il fait 27e. Non, mais c'est pas s'il fait 27e. Mais à mon avis, si Messi intégré, personne n'a vu les matchs à l'Inter Miami, il est à minima dans le top 10. Elle est faite, c'était minima. Il est à minima dans le top 10, non? Non. Ce qui a été le gros problème avec Messi pendant pas mal d'années, notamment quand le Ballon d'Or est avec la FIFA, ou peut-être que sur les 8 trophées, on peut dire qu'il y en a peut-être un ou deux. Oui. Peut-être que sur certaines années, il n'aurait pas dû l'avoir. Mais 2010. En tout cas, sur des votes, parce que c'était Messi, ou parce que d'ailleurs aussi c'était Cristiano Ronaldo, et qu'il y avait tous les votes qui allaient sur ces noms-là, un peu par réflexe, et par, pour voter pour une icône, mais en tout cas, une admiration sans borne. D'origine n'a pas vérifié, mais Messi, qui a été nullissime à la Copa América, les qualifie quand même pour la finale en marquant contre le Canada. But contre le Canada. C'est pas le meilleur Argentin. Comme dirait mon ami Georges Roux, ici présent, la Copa América, ça ne compte pas pour Vinicius. La Copa América, c'est pas Messi. But contre le Canada, l'immense Canada, en demi-finale. Ça vient de me revenir. Jonathan David qui nous regarde. Journée importante dans la course au Ballon d'Or France Football. Les 30 finalistes ont été voilés. C'est historique. Messi, 8 victoires. Au Ballon d'Or. Cristiano, 5 victoires, ça fait 13 Ballons d'Or en football à eux deux, sont déjà hors course, ils ne sont pas parmi les 30 finalistes. Que l'Argentin et le Portugais soient absents des 30 finalistes, il faut remonter à l'année 2003, soit donc 21 ans, pour trouver l'absence de ces deux génies parmi donc les nommés. Un Ballon d'Or France Football sans Messi et sans Cristiano, est-ce que ça vous rend nostalgique? Vous, c'est, on va dire, l'exact inverse, le fait qu'il ne soit pas là. On passe à autre chose. C'est à peu près ça. Oui, c'est-à-dire que je suis pas nostalgique, je suis plutôt soulagé. Je suis soulagé parce qu'en fait, moi, j'ai adoré cette dualité. J'ai adoré les voir effectivement se piquer l'un l'autre, comme tu le disais, les réponses de l'un à l'autre. Puis après, sur la fin, j'ai eu l'impression que cette confiture, on l'étalait sur une tartine trop longue, que ça durait un petit peu et qu'elle avait perdu de sa saveur et de sa superbe. Il y a effectivement des ballons d'or dont je ne suis pas certain que Messi le méritait nécessairement, ou en tout cas au regard de sa saison. Moi, j'ai envie de passer à autre chose. La dualité, je trouve ça génial dans un sport individuel comme le tennis, que ce soit Sampras, Agassi ou Nadal, Federer. Mais le football est un sport collectif et je trouve que leur rivalité a parfois fait passer l'idée collective du football au second plan parce qu'on voulait à tout prix savoir qui allait être ballon d'or et on ne se posait pas la question de ce qui se passait derrière et de comment jouer leur équipe. C'est le plus grand duel de l'histoire du foot, non? Même si c'est un sport collectif, mais c'est... C'est trop tôt pour le dire. C'est plus... Pour l'instant, Cruyff, Beckenbauer, j'ai plus... Il y a quelques matchs, les Maradona, Platini, il y a quelques matchs. Durée, qualité, c'est... Il n'y a pas la durée. Il y a eu des moments très forts, mais il n'y a pas eu la durée. Il y a quelques matchs entre Messi, Platini et Maradona, matchs, mais là... Quelques saisons. Là, tu as la durée de la qualité. Oui. La rivalité Nord-Sud, Naples, la Juve. Mais je trouve qu'il y a un malentendu quand même. Parce que là, on parle de la rivalité historique et qui a duré pendant plus d'une décennie entre deux joueurs d'exception que sont Cristiano Ronaldo et Messi, ça c'est une chose. Mais après, c'est sur leur présence, la façon dont ils ont vampirisé le Ballon d'Or. Moi, bien sûr, je suis nostalgique de la fin de Federer, Nadal, de Schumacher, Prost, Senna, Prost, etc., etc. Mais ça, c'est un autre débat. Parce que le débat, c'est là, on parle du Ballon d'Or. Et sur le Ballon d'Or, je rejoins l'argumentaire de Timothée, il y a un moment... on en a fait des produits médiatiques, c'était l'un ou l'autre. À un moment, quand M. Blatter a mis un peu la main sur Ballon d'Or, il fallait absolument que ça soit Messi, il fallait absolument que ça soit Ronaldo pour des raisons commerciales. Et au final, on a quand même un peu escroqué le football et les footballeurs, parce que je pense à Franck Ribéry,
je pense à Xavi, ils auraient au moins mérité sur cette partie-là. Eux ne sont pas responsables de ça. C'est les votants, c'est Sepp Blatter, c'est ouais, tout mais enfin, qui est... enfin, ça fait perdre de la saveur. Je te rappelle à un moment, le collège, il y avait le collège des sélectionneurs et des capitaines. Et il y a quelques capitaines, que je ne vais pas citer, en Amérique latine, qui avaient dénoncé en disant « mais ce n'est pas du tout mon vote ». Il y avait eu de collèges qui étaient tous le collège des joueurs. Mais Messi et Ronaldo ne sont pas responsables que Ribéry se fasse voler le ballon d'or avec la prolongation des votes, etc. Je dis simplement qu'à un moment, dans cette histoire de ballon d'or, on a tellement vampirisé le duel, on a tellement fait un produit médiatique qu'on est allé à l'encontre du football et que moi je suis méritocrate et je pense que c'est une injustice que Xavi et que par exemple Iniesta aussi n'aient pas eu au nom de cette rivalité-là, ce produit marketing qu'il fallait absolument faire promouvoir avec Ronaldo et Messi. Nicolas et Jérôme, la nostalgie en général, est-ce que ça touche finalement, lorsqu'on parle de sport, de champion de votre enfance, est-ce que vous êtes donc trop vieux pour avoir une nostalgie sur ces deux champions d'exception? Est-ce que c'est lié aussi à l'enfance? Parlez-moi de Platini, je vais être nostalgique. Parlez-moi de Dino, je vais être nostalgique. Vous me parlez, c'est pas pour minimiser la valeur sportive de Messi, la valeur sportive de Cristiano. Je ne suis pas nostalgique pour moi. Mais à vous de jouer. Est-ce que vous êtes trop vieux ou non? Non, mais je suis un peu nostalgique en ce sens où on pourra se dire qu'on a été contemporain de cette époque-là, d'avoir vu deux des plus grands joueurs, si ce n'est les deux plus grands joueurs de ce sport. Donc c'est on ça. On a déjà un petit pas de recul, déjà, oui, mais, dans le côté page. Mais moi, je suis plus, en revanche, enthousiaste de me dire qu'il y aura peut-être, et je rejoins Bernard par rapport vraiment à la question du Ballon d'Or, sans doute des votes plus serrés et des configurations que l'on a comme on a cette année, c'est-à-dire des joueurs qui, qu'on a dit tout à l'heure, on coche pas toutes les cases et qu'il y a peut-être un petit peu plus de suspense. Et puis en plus, tu n'as pas une génération qui prend le pouvoir, tu as des générations. Et qu'entre aujourd'hui des gamins qui ont 17-18 ans jusqu'à 27-28, tu te régales. Sans faire une liste exhaustive, tu fais Haaland, Mbappé, Yamal, Vinicius, Bellingham, je vais pas plus loin. Déjà, tu en as 5, tu peux dire, sur les prochaines années. Enfin, voilà, le jeu est plus ouvert. Nous, on est déjà dans l'après. Donc, pas forcément nostalgie, vous avez confiance sur l'avenir. D'accord. Non plus, parce que même si l'hommage de Kane était très beau, et je partage mille fois ce que tu as dit, mais on l'a vécu. Je me considère déjà comme privilégié, et en plus, c'est tombé à peu près où, quand j'ai arrêté ma carrière, donc j'ai pu suivre ça vraiment à vos côtés et dans les émissions. Enfin, on a vécu ça tout le temps, tous les week-ends. Ils t'ont pas marqué le but? Non. Je suis invaincu contre eux. Voilà, c'est un des rares gardiens au monde, à part avoir pris de but de Messi et Ronaldo. Pour ça, d'ailleurs, c'est l'émission. C'est marrant que vous parliez de l'enfance. Moi, la nostalgie, oui, je l'ai eu. Moi, j'étais fan d'Agassi. Quand il a arrêté, j'ai chialé. Quand j'étais gamin, il y avait Jordan, Magic Johnson. Après, tu as eu LeBron James et Stephen Curry. Il y aura d'autres trucs. L'important, c'est d'avoir vécu, je trouve. Et donc, je ne suis pas nostalgique parce que d'autres belles histoires vont s'écrire. On en a mangé, excusez-moi, on en a mangé et jusqu'à plus fin, tu vois. Est-ce que ça te choque de ne pas voir Léo Messi dans les 30 nominés pour le Ballon d'Or? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Ballon d'Or. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion, donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est qu'on est parti. Alors, France Football a dévoilé la liste de ses 30 nominés pour le Ballon d'Or et Léo Messi n'y figure pas. Léo Messi n'est pas dans la liste des 30 nominés. Messi et CR7 ne sont pas dans la liste. Est-ce choquant? Depuis 2003, il y avait au moins soit Messi, soit Cristiano Ronaldo, ou les deux. J'avais soit Messi, soit CR7, ou les deux, depuis 2003. Pour la première fois, il n'y a pas ni Messi, il n'y a pas Ronaldo. Déjà, moi je pense que Messi devait au moins être dans les 30 nominés. Pourquoi je le dis? Je trouve que il performe quand même avec l'Inter Miami, même si ce n'est pas un championnat majeur, même si c'est un championnat de seconde zone, mais marquer des buts, ce n'est pas facile. Même si tu joues le championnat du quartier, marquer des buts n'a jamais été chose facile. Donc, il performe avec son club d'Inter Miami. Et de surcroît, il a remporté la Copa América avec son pays. Oui, il n'a pas été un acteur vraiment majeur
dans cette Copa América. Mais le simple fait de savoir que Léo Messi joue, ça bouleverse les défenseurs. Ça bouleverse sérieusement les défenseurs. Lorsque tu es un coach, ok, tu es un coach et tout, et tu joues contre peut-être l'Argentine ou bien l'Inter Miami, ta façon de préparer le match change. Lorsque tu as Messi en face, lorsque tu es un coach, ta façon de préparer le match change. Ta façon d'aborder le match change. Ce n'est plus la même chose. Mais si il a au moins deux joueurs sur lui, ce qui permet aux autres d'avoir plus d'espace. C'est ça qui a permis à Lautaro Martinez de briller. C'est parce que tu avais Messi. Tu avais la présence de Messi. Ça a libéré les espaces. Donc, le simple fait de ne pas le voir au moins dans la liste des 30 nominés, pour moi, c'est un peu bizarre. Puisque il mérite sa place dans les 30. Il mérite sa place dans les 30. Je ne suis pas en train de dire qu'il devrait forcément gagner le ballon d'or ou bien qu'il mérite de gagner le ballon d'or. Ce que j'ai dit ici, au moins dans les 30, il mérite sa place. Il mérite sa place. Vu ce qu'il a accompli, c'est une saison. Je ne suis pas en train de dire qu'il a été meilleur que tout le monde sur cette saison. Je dis juste qu'au moins dans les 30, il devait au moins y être. Il devait au moins être dans les 30 dénominés. Maintenant, Cristiano Ronaldo, beaucoup de personnes jugent que Cristiano Ronaldo devrait aussi être dans les 30. Moi, je ne pense pas que Cristiano Ronaldo... Certes, il marque beaucoup de buts en Arabie Saoudite, mais, je trouve qu'avec son pays, il est vraiment catastrophique. La preuve à l'Euro, il était catastrophique à l'Euro. Il a marqué 0 but à l'Euro. Il a eu même un penalty contre, je pense, Yanoublak. Il a raté au penalty. CR7, comme je le disais, il était mauvais à l'Euro. Il a raté un penalty contre Yanoublak. Il n'a pas été performant. Il n'a pas porté son équipe durant l'Euro. Son équipe a été éliminée en 8e de finale contre l'équipe de France. Bref, CR7, pour moi, sa non-présence dans le 30, pour moi, c'est justifié. C'est clairement justifié. Après, j'ai également un Kevin De Bruyne que moi, je ne trouve pas. Hein. Je ne trouve pas Kevin De Bruyne dans la liste des 30. Pour moi, c'est vraiment un scandale. C'est scandaleux. Pour moi, Kevin De Bruyne méritait sa place dans les 30. Il y a également Mohamed Salah. Salah, je trouve que le fait de ne pas voir Mohamed Salah, ça fait un peu tâche. Moi, j'estime qu'il avait clairement sa place dans cette liste des 30, clairement. Dans cette liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or, pour la première fois depuis 2003, il n'y a ni Messi, ni Cristiano Ronaldo. Ça marque clairement la fin d'une ère. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.